ça commence bien. Ça commence même très très bien. Y a pas un passage secret quelque part là? Pourquoi je reste pas dessus? Merci, enfin. Mais saute pas sur les ennemis, enfin. Ah merde, j'ai fait n'importe quoi. Oh! Un barbare qui fait 100%. J'essaierai le cook, mais le barbare il a plus de chances de thunes. Salut! Et Maen, le jeu est vraiment bien. Je sais pas si t'as aimé le premier. Si t'aimes bien le premier, je recommande le deuxième parce que franchement c'est vachement cool. Je peux pas augmenter ça.
Bon, je vais prendre plus de force. C'est pas trop ton style de jeu, mais t'as vu quelques streams du premier, c'est tout. Tu es un profane de cette série de jeux, malheureusement. D'accord. Tu vas pouvoir voir à quoi ça ressemble dans toute sa splendeur avec le nombre de fois que je tombe dans les pics ou que je me prends des boules de feu ou que je me jette sur les méchants. Aïe. Mais ça, comment je pouvais le voir, le projectile là? Ouh. Bon, on commence bien, on a déjà perdu un peu de vie. On a le retour du on voit rien si on se fait toucher. Boule de feu! Ah, je pensais qu'il allait mourir. Ah, mais zut, mais zut. Ah! Mais non! Saute! Ah là là, le nombre de coins de vie j'ai perdu sur cette... sur cet endroit. Voilà, tu vois, c'est une belle démonstration de moi qui m'auto-sabote, qui ruine tout. Bien sûr. Ah ouais, là, quand j'étais coincée sur les pics, c'était un vrai moment d'enfer. Et là, j'ai plus que 159 points de vie. Oh, 139, 121. Ah, 101. Mange ta famille. Mange tes morts. Désolé, mais je préfère me soigner. Mais il est pas mort! Mais pourquoi je me suis retournée? Ah bah oui, bonne idée. Non mais quand je vous dis que je fais exprès de tomber dans les pics, je mens pas, hein. Je suis une pro pour ça. Pro du dégât et de l'auto-sabotage. C'était très court. On va pouvoir tester le chef. Alors, il a une faible santé, mais il a beaucoup de mana. Et mon arme inflige brûlure, ok. La poêle à frire. Frapper des objectifs de taille moyenne pour les renvoyer. Ah! Renvoyer un projectile vous confère le statut chargé. La prochaine attaque sera un coup critique. D'accord. Ragout restaure votre énergie et mana, se recharge en ramassant des objets curatifs jusqu'à 3 charges.
Ok. Frappe de gel. Gèle gaiement les grands gaillards. Inflige gel et détruit les projectiles de grande taille. Frappez les ennemis gelés pour leur infliger un coup critique. Et Alexithymie. On ne sait pas encore ce que c'est. On ne voit pas les dégâts qu'on inflige, oh, c'est pas très gênant. C'est trop bien de pouvoir faire à manger comme ça. Efficace la poêle ou la poêle, je trouve ça très efficace. On va essayer ça. Ah ouais, c'est un... Ok, c'est pas mal. Je peux renvoyer les projectiles, c'est trop bien. Et le fait que l'épée brûle les ennemis, c'est vachement bien. Ah ouais, ouais, ces skills, ils sont vachement cool. Ah. Zut.
Là, ça mène où? J'ai encore oublié. Ah oui, c'est le lac machin. Je vais lui parler à lui déjà. C'est pas ce que je voulais faire. Oh, je suis mal partie. J'ai fait une grosse bêtise. Une grosse bêtise. Mais chef, ça c'est vachement sympa à jouer. J'aime beaucoup. Je rejouerai chef quand je retomberai dessus. J'aime beaucoup sa façon de jouer. On va prendre le Valkyrie pour les bonus de pièces. Qu'est-ce que tu veux, Sora? Tu fais pas le con, hein? T'es sage. Va te coucher. On va faire la sieste. Allez. Ah, c'est pas mal ça. Des boxeurs. Oh. Des mines de salpêtre. C'est des pistoliers. Et moi, je veux débloquer les assassins. Mais faut que je sois niveau 36. Donc là c'est bon. Je me suis pas fait toucher. On peut pas en dire autant sur cette pièce là.
Mais oh, merci pour le follow. Tu vas pouvoir utiliser mon magnifique chan ici. Sinon, pour te montrer un peu ce que je fais le matin, le lundi matin, je fais toutes mes quêtes du lundi. Donc je joue à Genshin Impact. Je joue à d'autres jeux, je joue aussi à Super Mario 3D World et Odyssey. Et parfois je stream du Grand Blue Fantasy, pas le jeu de combat pour le coup, mais le jeu qui peut être joué sur un navigateur et sur mobile. Encore du poulet. Ah mais non, fonce pas dedans. Coffre à ramasser. Ah, mauvais timing. Bon, en tout cas, même si je me fais beaucoup toucher, on est en train de bien se mettre au niveau thune, ce qui fait qu'on va bien pouvoir augmenter un truc très cher. Je sais pas quoi, mais on aura un truc très cher à payer. De bons jeux, même si t'as peu joué à Genshin, en fait, tu es un peu vieux. Je suis un peu un vieux viewer, mais je passe de temps en temps sur les streams depuis un moment. La dernière fois que je suis venu, tu étais sur Dragon Quest Builder. Ah oui, ça remonte un peu, ça. Ça remonte un petit peu loin, quand même, tout ça. Bon, par contre, là, on va pas faire les cons, on va pas à nouveau se tromper de chemin et tomber dedans, donc on s'en va tout de suite. Mais ouais, Dragon Quest Builder, c'était sympa. C'était sympa au final. Mais ouais, voilà, je suis plutôt varié dans les streams, c'est selon ce dont j'ai envie.
comment tu veux réussir ça? Encore? Bah je reprends la vie. Avec les sorts et les armes. C'est pas mal. Va être rigolo ça encore. Voilà, c'était le défi. On a trouvé la salle du boss, mais je sais toujours pas comment faire ça. C'est pas ça qu'il faut faire? Ouais, mais ça c'est indirect, c'est trop dur pour moi ça pour l'instant. Ouais, le lance-flamme, il est quand même vachement sympa. Ah oui, c'est ça, c'est juste une chambre unique, donc je peux tout casser. Ouais non, en fait il faut réussir à allumer les torches sans jamais mettre le pied par terre et c'est un peu compliqué. J'ai pas encore la dextérité pour. Parce que forcément comme je joue à plusieurs jeux, du coup je me mélange un peu les touches, ça dépend des fois. Quand c'est mauve, ça veut dire quoi? Un portail. C'est une chambre arcanique. J'avais trop peur que l'autre ce soit un truc du genre ta vie, t'étais à 1 PV et tu survis comme ça. J'avais un peu peur. Oui, voilà, c'est une question d'entraînement, oui, tout à fait.
Alors, ouais, il faut retourner dans la salle là. On a des points qu'on n'a pas explorés par ici. Ok, donc là, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas des passages secrets. Par contre, dans les jours à venir, si je stream, ce sera exclusivement du GBF, donc Grand Blue Fantasy, parce qu'on va avoir un event qui s'appelle Guild Wars, et il faut, en fait, c'est un PVP et il faut se donner à fond. Enfin, c'est pas tellement du PVP parce qu'en en fait, on n'a pas de, on n'a pas de d'ennemis directs. En fait, c'est juste une question de combien de dégâts a fait quelle guilde et la guilde qui a le plus de points gagne et du coup ça commence demain. Aïe, ça commence demain. Ah, de nouvelles zones. Et donc ouais, du coup si j'ai envie de streamer ce sera ça. Je suis pas assez forte pour ça. C'est ça, et il y a des Japonais qui sont extrêmement haut placés dans les trucs, ils gagnent des honneurs de ouf, et après les honneurs que tu as, ça peut te servir à échanger tes médailles contre des trésors. Ah, j'ai pas pu dasher une deuxième fois. Je vais y arriver. Ah ah. Oui. Ils sont bien organisés et bien disciplinés, plus que les opérateurs. Oui, ça, ils sont plus investis que nous, oui, effectivement. Et en général, les pro-joueurs de GBF ont tendance à pas dormir pendant ces périodes-là pour avoir un max de points et ils ont des teams super, super bien entraînées. Moi, j'ai une team correcte, donc à chaque fois, je fais de mon mieux, mais j'arrive à gagner assez d'honneur, donc...
Bon, là, j'arriverai pas à monter plus haut. Ouais, mais j'ai pas ces fameuses bottes d'écho, donc on va retourner voir. Ouais. Ah, ça y est! Alors, j'ai 110 points de vie, vous êtes prêts à me regarder mourir instantanément? J'ai mal aux fesses sur cette chaise, j'en ai marre. Ah, dommage. J'espère qu'il faudra pas la réouvrir à chaque fois. Un duelliste, ça fait longtemps que j'ai pas testé le duelliste. Ah oui, colon super irritable, ça. Le vœu de talent est remplacé par un super paix. Par contre, ça va être plus chiant, vegan, manger de la viande est un meurtre, elle essaye littéralement de vous tuer, manger de la viande vous fait souffrir. Ouais, et puis en noir et blanc, c'est pas toujours évident. Je vais prendre déjà le boxeur. Ses gants sont en métal, très bien.
Et voilà. Mais ça peut être rigolo d'avoir ça. Ah, moi tout ce qui est prout, ça me fait rire, hein, désolé. Allez, je vais finir à monter. Me reste encore un petit peu. Voilà. Désolé pour les petits bruits, mais j'ai fini mon thé. Il frappe bien, hein. Ah, il y a une bonne portée sur le point, hein, mine de rien. Alors, il faut savoir se tenir à distance où la perfection est un moteur et non un objectif. Non, moi, boire des boissons chaudes pendant l'été, ça me rafraîchit au contraire, parce que du coup, je suis sur une chaleur, et quand j'ai fini mon thé, je reviens à une température normale, donc du coup, il fait un peu plus frais. Ah, nice! Apparemment, il y a deux coffres. Ah oui, je vois, il y a le truc, j'avais pas vu. Ouais, le boxeur a l'air super sympa aussi. Ah, je voulais essayer de dasher, mais je me suis trompée de commande. Et là, c'est pareil, j'essayais de... J'essayais de taper et je t'appuyais sur la mauvaise touche. Pfiouh! Ma vie a descendu d'un coup. On peut pas toucher la viande. Ah non, moi j'assume mes erreurs, hein. Je me suis très mal débrouillée sur ce combat. Ah non! Il y avait un poulet caché! Il me reste plus que 19 points de vie. Ah non, il m'en reste plus que 6! Ah! Mais c'était sympa, boxeur!
Il a pété, je suis désolée, mais ça me fait toujours rire. Alors, on a la Valkyrie qui fait 50%, un autre boxeur à 25% et un chef qui a pas de pourcent en or. Je suis désolée, mais je prends la Valkyrie parce que je veux faire plus d'or possible. C'est con que le cuisinier avait pas de petit bonus sur. Sur son talent. On peut débloquer les assassins. J'ai pas assez. Il me faut 1020. Ah, par contre, je peux débloquer. Ah non? Ah oui, c'est pareil, c'est 1200. Enfin, 1020. Salut Poppy Gamy. Ah oui, crise de panique. Ah zut. Je peux manger de la viande. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une mort honorable? Ou le sablier rouge? Ah oui. Bah, comme on connaît déjà celui-ci, je vais prendre ça. D'accord, donc c'est quand je suis en quand je suis limité en vie, sous la barre des je sais plus combien, j'inflige des dégâts beaucoup plus fort. Bon, j'imagine qu'il n'y a rien de nouveau. Non. Ah oui, il y avait déjà des pièces comme ça dans le 1. Je me souviens. Les trucs trollants. Genre, ouais, on met une salle. Qu'est-ce qu'on y met? Que des flammes. Ok, donc là on est comment? Faut descendre et prendre l'autre sortie.
foncer dessus. Tout ça pour ça? Ow. Allez hop, on monte. Ah bah tiens. Je prends toujours le même bonus. Foutu couteau éclair. Je te vois, qu'est-ce que tu viens faire? Qu'est-ce que tu fais bébé? T'as bien mangé? Oh bah oui hein. Petit bébé chat. Tu veux venir? Voilà. Ah, je l'avais pas vu. Si tu pouvais ne pas mettre tes poils dans ma bouche, ce serait bien. Allez, couche-toi, mon bébé. On va pouvoir débloquer une classe. Ok. Ce genre de défi, c'est pas pour tout de suite, hein. Ah oui, le gros pack d'argent. Ensuite. Donc on va retourner là pour aller voir les pièces. Ah oui, il y a encore une pièce en dessous qu'on n'a pas vue. Ah, c'est dans l'autre salle. Je pensais ici, mais non, c'était dans l'autre salle. Mais oui, les petits chats. Ce calcul incroyable. Mais oui, bien sûr. Mais oui. C'est comme ça qu'on joue. Pas de bol.
Mais pourquoi le chef il a pas la réduction, enfin l'augmentation? Allez, je prends le chef quand même. On n'aura pas le. On n'aura pas le bonus d'or, mais. Ah oui, merde! Je me suis appuyé. Bon, bah, on va jouer à Assassin tout de suite, du coup. Parce que j'ai appuyé sur changer d'arme sans faire exprès. Il me reste combien d'or? 433. C'est con que j'ai rien à améliorer. Non, il n'y a rien que je puisse faire de plus. Le seul problème des ninjas, c'est qu'ils sont assez lents. Là, c'est ça si on veut pas se faire voir par les ennemis. Et il a la météore. Ah bah ça commence bien, j'ai du poulet. Oh, tu fais les petits bisous. La classe assassin, c'était déjà une de mes préférées sur le premier Rogue Legacy. Donc quand j'ai vu qu'il l'avait gardée, j'étais super content. Celui-là, j'arrive pas par contre. Ah oui, d'accord, ça me poursuit en fait. Je vais mourir. Eh oui, l'inconvénient des assassins, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de vie. Ah, encore une troisième cinématique. Ouais, bah je fais ce que je peux, hein. Là, le boxeur. Non, mais j'ai trop envie de rejouer que. Je vais dire cuisiner, mais c'est un chef. Donc je veux jouer chef. Je vais jouer cuisinier. J'arrivais plus à sortir les mots de ma bouche. C'était tout encombré.
Ça part vite, 141 de PV, et ça va encore plus vite quand c'est moi qui ligne le contrôle parce que je me prends tous les pièges, tout. Ça c'est bien. Ok, on a tout vu. Ma poêle à frire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du coup, je connais déjà l'autre, on va prendre celle-ci. Vainquez les ennemis quand vos PV sont au maximum pour augmenter 5 points de votre mana maximum. J'arrive pas à lire. Bon là c'est l'endroit en dessous donc on n'y va pas. J'avais presque réussi à le faire. Les vilaines aubergines. C'est trop bien, chef. Euh,
du coup, vous retournez en haut. Ah. Il y a mon bébé. Où est bébé? C'est qui a bébé chat? Nice. Bah oui bébé, t'as vu ça? Je fais un tout petit, je refais une toute petite pause. Je vais me refaire du thé, donc je vous dis à tout de suite.